Salut tout le monde. Donc chaque jour, comme vous le savez, je vous présente sur Instagram un anime ou un manga ou une série ou un film que vous m'avez recommandé sur Instagram. Donc aujourd'hui, je vous présente The Great Pretenders qui m'a été proposé par Radamanth Zoldyck. Il m'a dit Great Pretenders, donc que j'ai regardé. Qu'est-ce que j'ai pensé de The Great Pretenders? Donc en résumé, c'est quoi l'histoire? C'est un Japonais qui est un arnaqueur, qui se fait arnaquer par un Français quand il est au Japon. Et du coup, le Français va se servir de ce Japonais pour pouvoir arnaquer un Américain qui lui-même est quelqu'un de malhonnête qui, voilà, plus ou moins. En fait, c'est des arnaqueurs qui arnaquent des arnaqueurs. Tout simplement. Sauf qu'eux, ils ont un crew et eux, leur délire, c'est arnaquer les gens qui sont mauvais, entre guillemets. Ou les gens qui, voilà, escroquent, voilà, qui sont des escrocs. Donc, c'est peu l'arnaqueur arnaqué. C'est sympa. C'est sympa. Ça se regarde de manière cool. C'est cool, c'est sympa. Mais c'est tellement prévisible. En fait, tout est fait depuis le début. Il y a 25 épisodes pour nous montrer que ça se finira toujours bien. Moi, j'avais l'espoir de, ah, peut-être que nanani, nanana, là, ça va partir en couille. Peut-être qu'à un moment, ils vont tomber sur un mec, un genre de Light Yagami, un genre de L. Mais si peut-être qu'il y aura un L dans l'histoire qui va venir, qui va les doubler. Il n'y a pas de L. Donc c'est à chaque fois, bah, on arrive à les niquer, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est des méchants et au final, nous, on est les gentils. Il y a un flashback où on nous fait croire qu'à un moment, que peut-être que non, en fait que... En fait, si, ça se finit bien. Donc c'était sympathique, c'était cool. Enfin, ça se regarde, c'est cool, mais c'est un peu OSEF. Je vais pas vous mytho, c'est un peu OSEF dans le fond, hein. C'est un peu, chaque histoire est liée à un personnage, donc à chaque fois que t'as un petit, enfin t'as un méchant qui veut l'escroquer plus ou moins, c'est lié plus ou moins à passer d'un des personnages principaux. Donc du coup, il y a son petit développement personnel, etc., etc. Très sympathique, ça se regarde, mais voilà quoi, je veux dire, c'est sans plus. Hein. J'ai vu plein de gens me dire, oh c'est lourd, c'est un truc de ouf. C'était un peu moyen. J'ai trouvé ça un peu moyen, moyen plus, ça se regarde sans plus. Donc voilà ce que j'ai pensé de The Great Pretender, un anime qui se regarde, qui est sympathique, hein. Je pense pas que ce soit un manga ça de base, je pense que c'est un anime directement. Après peut-être c'est un manga ou un roman, j'en sais rien, bref, assez sympathique. Quand vraiment t'as rien à faire, t'es posé comme ça peut peut-être faire le café, mais faut pas mettre des attentes très hautes dans cette série, hein. C'est vraiment, t'es là comme ça, voilà, t'as envie de passer le temps, tu regardes ça. C'est bien sans plus, voilà, faut dire les termes. C'est pas nul, mais c'est vraiment bien sans plus. L'animation a son petit style aussi, hein. A son petit style d'animation assez particulier. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc voilà, c'était tout hein, pour The Great Pretenders, ce que j'avais à dire. Donc je sais pas s'il y a des gens qui veulent venir en parler. Ah, il y a Obsuto, donc on va en débattre. Voilà, pause cette série, on passe mytho, c'est... Je la regarde parce que t'as rien raté quoi. Allô, au-dessus de toi, tu nous entends? Ouais, j'entends. Tu m'entends, toi? Super, comment ça va? Ça va et toi? Super, on t'écoute. Ouais. C'est toi de Great Pretender. Bah écoute, moi j'ai bien apprécié la série. J'ai trouvé ça, je vais pas dire original, parce qu'en fait justement ça m'a fait penser à Lupin. Tu vois, Lupin the Third dans l'ambiance. C'est un peu Tu vois? Lupin, Ocean Eleven, tous ces conneries là. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est un peu cette ambiance-là. Donc j'ai trouvé ça très divertissant. Ce qui m'a vraiment pris dedans, enfin, qui fait que j'ai quand même continué, c'est la bande son. La bande son, j'ai bien aimé. La quoi? La bande son? La bande son, ouais. Au niveau Oui, des c'est vrai. musiques. Sympathique de mémoire. Tu vois, donc j'ai bien aimé ça. Puis qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est j'ai aimé l'arnaqueur là, le Ouais. blond là, le français. Ouais, lui, je trouvais quand même cool dans son histoire et tout ça. C'était pas mal. Tu vois. Après, je t'avoue, il y a des moments où j'ai un peu soufflé. C'est quand ils ont arnaqué du côté du Moyen-Orient, là. Je sais pas si c'était au Kazakhstan, avec la course d'avion, là. L'avion là. Oui, Ouais. Là, j'ai soufflé un peu. Hein. Je t'avoue que j'ai un tout petit peu soufflé, là. Parce que des fois, le... Ouais. un peu trop facile. Des fois, tu te dis, mais dans les arnaques, toi, tu es. En fait, des fois, c'est pas réaliste. En fait, c'est ça le problème. Des fois, Ouais. tu te dis, non, mais dans un manga, c'est un manga, ça passe, mais tu te dis, c'est pas réaliste, c'est Lisse, pas ouais. sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Surtout comme ils l'ont attrapé en faisant un pseudo faux casino là, à la fin, là, tu vois.
Moi, Wow, j'ai c'est trouvé. dommage. Ouais, voilà. Tu vois, j'ai dit, ouais, bon, tu sais que dans la vraie vie, ça marchera jamais. Tu vois, Ouais, c'est trop bah je te flag. crois. C'est pas parce que t'as un manque d'accept. On est d'accord. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais sinon, après, la partie suivante était cool aussi. Donc, non, j'ai passé, comme toi, j'ai passé un bon moment. Mais les gens qui disent que c'est bon, j'avais des amis qui disaient que c'était révolutionnaire et tout. Je pense qu'il faut un peu doser là-dessus, quoi. Tu vois? C'est C'est. fort. Ça révolutionne rien du tout. Hein. Ça Ouais, révolutionne. mais. T'as rien vu dans ta vie. Et ça Oui, révolutionne. voilà. Mais je pense que c'est ça le problème. Je pense que c'est ça le truc. C'est que t'as des gens qui tombent sur ça et c'est la première fois qu'ils voient ça. Donc, du coup, ils pensent que c'est un truc de fou. Alors que si tu fais un peu tes devoirs, tu vois qu'on en a eu pas mal des comme ça avant. Et Tu mieux. vois? Des trucs de mecs arnaqués comme ça, il y en a des mieux. Genre, ça, c'est. Non, de ouf. Tu sais, il y avait une adaptation de Sherlock Holmes en animé qui s'appelait Sherlock Shinjuku. Tu vois, ça se passe à Shinjuku. Dans le même style. Donc, ils faisaient des enquêtes. Il y avait aussi des trucs d'arnaque. C'est beaucoup mieux que ça. Hein. Mais personne n'en a parlé. Tu vois? Détective Conan, quand il est contre les hommes en noir, c'est beaucoup plus palpitant que les 25 épisodes que j'ai regardés là. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc Se regarde. voilà. Ça se Ouais, ça se regarde. regarde. Ça C'est se ça. regarde. C'est sympathique sans plus. Voilà. Ouais, voilà. C'est ça. Après, tu vois, si quelqu'un me dit, ouais, tu me conseilles ça, je vais te dire, ouais, tu peux regarder quand t'as le temps. Tu vois. Si t'as rien à faire. Un peu chier, du bon regard, ça voilà. Ouais, voilà. Tu vois. Par contre, John, je vais te demander pour les recommandations. Fallait les faire où, les recommandations pour que tu regardes les Bah, trucs. c'est une story Instagram où j'avais demandé aux gens de me donner leurs recommandations. Du coup, là, de Ah. toute façon, là j'attends de finir la liste. Après, je ferai une nouvelle story avec des nouvelles recommandations. Ok, d'accord. Ok, ça marche. J'avais fait le Ok, tour des. bah. Ok, nickel. Il t'en reste combien? Il t'en reste. La liste, elle est longue, je suppose. Ouais, il m'en reste encore peut-être une petite dizaine. Il y a des trucs que j'ai déjà vus, donc la plupart des trucs qu'on m'a envoyés, j'avais déjà vu. Là, il me reste peut-être Ok. 5-6 que j'ai pas vus. Ok. Ok, ça va. Ok, nickel. Bah, j'attendrai là, comme ça, je t'enverrai un truc N'y a si pas jamais de. t'as pas vu. Ça En tout cas, va? Pas de souci. À allez, plus. héros, Ouais. on s'en Ouais. bien vu. Ouais. Donc, en tout cas, les gars, pour finir, Secret, il est dans la Speed Force de ouf. Prochaine fois, Soren. D'ailleurs, demain, Soren, je parlerai d'un truc que toi, tu m'as recommandé, parce que j'ai vu dans la liste. Donc, je parlerai d'une œuvre que tu m'as recommandée. J'ai vu que tu en avais recommandé plusieurs, mais je vais en prendre qu'une seule, hein, parce que sinon, ça va. Il n'y a pas de souci, Soren, t'inquiète. En tout cas, voilà, c'était tout pour Secret Pretenders. Manga OZEF tier, en vérité, mais qui est sympathique. Voilà, c'est vraiment OZEF tier, sympathique. Peut-être révolutionnaire pour les gens qui n'ont jamais rien vu dans leur vie. Mais j'ai rien vu de révolutionnaire. Hein. C'est, faut être assez clair. Mais voilà, vous pouvez passer un bon moment. C'est pas dégueulasse. Vous pouvez passer quand même un bon moment. Perso, ça m'a pas fait chier. Mais voilà, ça m'a pas non plus transcendé, on va dire, quelque part. Donc voilà, c'était tout. Donc encore une fois, ça vous a plu. On like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous suivre sur le Instagram pour justement me donner vos recommandations d'animés, films, séries, etc., etc. que je regarde et je fais une review par jour. Allez. À plus tout le monde. Bye.